Bonjour tout le monde. Bon, une petite vidéo un peu plus de 20 jours plus tard. Le printemps arrive bientôt. Ça sort du végétal de partout. Du côté des poissons, on parle souvent de la densité. Elles n'ont pas l'air super serrées. Hein. On dirait même qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais elles sont bien là. De belles truites arc-en-ciel avec des belles couleurs bleues. En pleine forme. 11 degrés dans l'eau en ce moment. Du côté des petits saumons. J'arrête de dire les petits saumons d'ailleurs, parce qu'ils commencent à être à faire 20-25 cm. Les végétaux, des petites fraises avec leurs pousses. Ça y est, elles sont acclimatées au raft, pas de problème. De ce côté-là, oui, je sais, c'est trop tôt, le mois de mars, blablabla. Les deux premiers petits pieds de tomates, les autres sont dans la serre en train d'attendre. Le pied de blette qui pète la forme. Et là, dans le biofil profond, je vais semer à la volée du mesclun, de manière à faire une rotation. Alors, on n'est pas à Jean-Martin Fortier, mais on peut optimiser les cultures en aquaponie. Et tout ça sur pas beaucoup de place, en économisant de l'eau. Allez, salut! Bonjour tout le monde. Bon, je me fais enguirlander parce que j'ai pas fait voir les petits kiki. Alors, une deuxième partie de vidéo dans la serre. On a un peu plus de végétaux. De ce côté-là, j'ai ma petite étude de microfaune avec les petits escargots, les azelles, tout ça dans la boue que j'avais récupéré du fil pression lors du dernier nettoyage. Des salades que j'ai semées à la volée. Malgré le nettoyage du biofiltre, il restait des graines de tomates. Donc des petits pieds de tomates qui sortent d'un peu partout. De ce côté-là, j'ai retrouvé un vieux sachet de radis. Je pensais qu'ils n'allaient pas partir. Bon, bah, ils sont bien partis. Alors oui, je pourrais les éclaircir, mais... je vais les laisser comme ça, on va voir s'ils arrivent à prendre leur place dans les billes. Du côté des petits kiki, les petits kiki pètent la forme. Il y en a qui commencent à être bien gros. Approcher les 10 grammes pour les plus gros. Je leur ai fait leur premier traitement au percarbonate hier. Un petit blanchissement de la nageoire dorsale qui me plaît pas trop. Mais bon, c'est arrivé les autres années, ça guérit ensuite. De ce côté-là, toujours le fraisier survivor. À sortir. Courge de ronde de Nice, courgette, courge trombetta, aubergine, poivron, un essai de pastèque, énième essai de melon, oui l'optimiste, le gars en Normandie, mais bon. Les tomates, bien entendu, et les petits fraisiers. En température... de l'autre côté, on était à 9,5. Là, dans la serre, dans l'eau, on est à 12,7. Pour une température à 18h de 12-13 degrés, en sachant que ça a été ouvert toute la journée. Côté alimentation, parce qu'on me demande souvent, je leur donne des petits curly. Ce sont des verres de farine déshydratés. Et puis, des granulés spéciaux pour la truite. Donc là, c'est du 1 mm.
Dispo chez le copain Nego Fishkoi comme d'habitude. Et comme on s'en lasse pas. Oh, regardez la grosse là qui passe au milieu. Un petit focus sur les petits kiki. Allez, salut!